Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Guardian Tales. Alors, depuis la dernière fois, j'ai pas grand chose de nouveau. Si, j'ai fait un petit peu les quêtes du jour, hein, comme d'habitude. J'ai fait quelques tirages, enfin, tirage d'armes notamment. J'ai eu une arme, livre, item. J'ai eu, voilà, une épée verte, j'ai eu celle-ci, l'épée du phénix que j'ai équipée du coup, à la place de mon épée à deux mains. Et j'ai fait un petit changement dans mon équipe. J'ai mis Karina, tout simplement parce que Karina, eh bien, son attaque normale, tout simplement, soigne tout le groupe. Donc ça me permet de passer certains trucs que je ne pouvais pas passer parce que je galérais. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pas encore changé le reste de l'équipe, j'ai pas trop regardé les autres personnages, mais voilà. Dans le doute, je me suis déjà monté les autres personnages niveau 40. Voilà, comme ça, je suis prêt... Cas où il faille les changer. Nous, aujourd'hui, on va tout de suite partir et on va essayer de se faire eh bien, le monde 3. D'ailleurs, il faudra que je m'attelle à finir les mondes, hein, il me manque des trucs. Mais ça, on verra plus tard. On va s'atteler hop, au monde 3, l'école magique. Et bah allez, c'est parti. Avec des bonnes récompenses, hein, mine de rien. En route. Ah oui, direct, d'accord, même pas de petite histoire, rien. J'ai pas vu ce qui s'était passé. Pourquoi mes persos sont repartis en arrière? Bon, d'accord, ça se baisse. Donc vous avez été plusieurs à me dire d'ailleurs que le grappin se trouve dans ce monde-là. Le grappin qui me manque dans le monde d'avant. Mm-hmm. Les côtés sont fermés. Ne restez pas debout là-bas comme un imbécile, suivez-moi. Silence, Favi. Nous ne pouvons pas simplement les laisser mourir. Tu vois, ces fantômes? Vous pouvez vaincre les possédés, mais les fantômes, c'est du sérieux. Les attaques physiques ne marchent pas de toute évidence, mais la magie non plus. Il doit y avoir un moyen de les vaincre. Qu'est-ce que c'est? Des fantômes! Protégeons-les. Vous! Je ne vais pas vous laisser vous attirer toute la lumière. Les voilà! Ah! Ouh. L'épée du champion réagit fortement. Enfin, je vous ai trouvé! Elle a vaincu les fantômes. Je vous cherchais partout. Vous étiez... le Magitime de cette semaine. Quoi? J'ai la priorité dessus. Vous ne pouvez pas la voir. Attendez! D'accord. Là, il me faudrait... une bombe, la bombe qui est là, mais ça que je vais pas pouvoir pousser. Mais là, on a du feu. Alors, est-ce qu'on a un bras zéro quelque part? Parce que j'imagine que je peux brûler les livres. Ah non, je peux juste... d'accord, je peux juste défoncer les livres, en fait. On peut faire ça, comme ça. Là, je récupère la bombe. Hop, on la jette ici. On casse tout et on ouvre ici. Pour rien du tout. Comment ça pour rien du tout? D'accord, on les a fait fuir.
Ah bah si, ça nous a ouvert des chemins. Donc là, ça nous a ouvert, ok. Pour avoir une étoile. Ah, elle s'est cachée là. Elle s'est cachée, elle s'est recachée là. Pensez-vous que vous pourriez me dire quand la crise des fantômes est finie? Oui. Voici mes contacts. Ok, donc ça nous a débloqué. Quelqu'un. Maintenant je comprends mieux. Ici, tout ça on peut pas les ouvrir. Pourtant j'imagine qu'on va pouvoir revenir. Bon, on va récupérer ça. Ici il y a quoi? Foyer. Vous ne pouvez pas passer tant que les fantômes bloquent le passage. Ils pourraient bouger si vous résolvez les mystères au sujet de l'aura. Alors, les mystères de l'aura. Hop. Ça c'est fait. Ça, j'imagine qu'il y a un bouton aussi. Et là, il y a un bouton aussi. Ça, de toute façon, je peux pas le retirer. Pourquoi ça se baisse pas? Il me manque quelque chose. Pourtant, j'ai activé les trois boutons. Mais il va falloir que je résolve un mystère à propos d'une certaine Laura. Bureau du personnel supérieur junior. Maintenant, je voulais le tirer. Je voulais le tirer. Bah non, parce que j'étais obligé de le pousser là en fait. Ça se tire pas. Voilà, ça fait que se pousser. Donc là, je me suis bloqué, bien évidemment. Alors, j'imagine que les fantômes, faut pas que je me fasse choper. Parce que sinon, c'est la merde. Donc là, il n'y a pas le choix parce qu'il y a des fantômes en haut. Ok, là, il y a des fantômes et j'imagine que je peux passer que quand les fantômes disparaissent. Ok. Hop, là, je suis passé. Là. L'arme. Donc ça c'est fait. Attendez une seconde. Qu'est-ce que c'est? Vous ne pouvez pas avoir le Magitime. Non, pas ça. Je voulais juste vous remercier. Je suis Lavi, le loser. Là-bas, c'est Favi. Et ça, c'est... Nasha. Je suis Soé. Puis-je y aller maintenant? Pourquoi iriez-vous là-bas? C'est la fête des fantômes là-bas. Financement. Quoi? Financement de recherche. Ils m'ont retiré mon financement parce qu'apparemment, je dilapidais l'or. Si je peux résoudre cette crise de fantômes, je prouverai que mes recherches ont de la valeur. Vous allez faire ça toute seule? C'est dangereux. Allons, laissez-nous vous aider. Non. C'est bien trop dangereux pour vous. C'est très gentil à vous, mais... Les gorilles sont bons pour combattre les orques, pas les fantômes. Vous venez juste de me traiter de gorille? Au contraire, les gorilles peuvent écraser des rochers à main nue. Vous, non. C'est insulte. Je peux trop... Hop là. Archive, livre. Waouh, j'imagine que vous êtes aussi bon que des gorilles. Ah, c'est bon, Favi. Impressionnant. Vous êtes encore plus sauvage qu'un gorille. Alors, que dites-vous? Vous faites fausse route. J'ai dit que les gorilles ne pouvaient vaincre des fantômes. Sérieusement? Après tout ça? Je veux dire, je suis impressionné par votre force de singe sauvage. Cela pourrait faire d'intéressantes expériences.
Ce qui veut dire... Prenez ceci, il est temps d'évoluer et de devenir un homo sapiens. Qu'est-ce que c'est? Pour faire court, vous pouvez attaquer des fantômes si vous le tenez. Pour de vrai? Génial! Faut que tu parles. Vous voulez évoluer aussi, petit gorille? Bah oui, hein. Très bien, prenez ceci. Générateur d'esprit proton. Vous êtes à présent capable d'attaquer des fantômes. Cela peut ne pas être efficace contre certains fantômes. Cependant, j'ai une condition. Aidez-moi à gérer cette situation afin que je récupère mes fonds. Simple, non? Bien. Je vous verrai au deuxième étage. Et la même chose vaut pour vous deux. Ok. Entendu. Nous regarderons ce qu'il y a d'étrange au deuxième étage, c'est ça? Sauvez également les étudiants possédés lorsque vous les verrez. Compris. Quand vous les sauvez, assurez-vous de leur dire que le docteur Soe a fabriqué l'appareil. Ok, compris. Sauvez les plus jeunes d'abord. Ils ont tendance à être meilleurs sur les réseaux sociaux. Bon sang, j'ai compris. Allons-y, Favi. C'est le moment de chasser du fantôme. Ok. Tac, tac. Du coup, là, je reviens, mais là, je me suis bloqué le raccourci, comme un... Voilà. Hein. Donc, la suite serait par là, j'imagine. Bureau du personnel supérieur junior. Oui, on est toujours là. Oh, pardon. Je regarde même pas où je vais. Trop concentré sur la mission. Sachant que là on peut se soigner. On peut rien faire avec ça? On peut rien faire. Hop. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, je pète tout. Cafétéria. Hop. Mais il me reste plein de trucs à visiter derrière. Là, j'ai un peu foncé. Voilà. Ça, c'est ouvert. Hop. Ah, là, on va récupérer un des sceptres. Parfait, le bâton d'œil de gel. Ça c'est good. Il me dit qu'il y a quelque chose là, il y a un chemin. Là, voilà. Comment ça là, il y a rien là? Ah, il y a une sortie là. Tac. Voilà, j'arrive, je sais pas où. Hop, je récupère un morceau d'étoile. C'est pour ça que c'est important de bien vérifier toute la minimap, comme ça. On peut voir s'il y a des passages secrets. Hop, et là. Ok, on est revenu sur nos pas. C'est pour ça que je voulais aller à la fin du niveau et avant de faire demi-tour en fait. Comme ça je vois à peu près où je suis. Et je vois tous les passages qu'il y a à trouver. Hop, là il y a une quête, bien évidemment. Et y'a l'ami. Peur des fantômes? Non. Comme prévu, vous êtes un digne rival. Les vraies reines de vitesse ne sont pas effrayées par des fantômes. Et la contre-foudre ne craint personne. Alors, prêt pour une course? Bah oui, hein, comme d'abord. Alors, c'est quoi ta course, coup-ci? Prêt? Le premier à finir l'emporte. Oh non, t'es sérieuse.
Bah voilà. Je t'ai pulvérisé en fait. Quoi? Moi j'ai encore perdu. Je suis la contre-foudre. Ah bah ouais, bon, t'as mis une raclée. Bien, je pourrais bien aussi bien être morte. Nous referons une course. Bien évidemment. Voilà, ça c'est gagné. Le morceau d'étoile. Là, voilà. Ça, ça nous ramène où? Un morceau d'étoile en plus. Ça, c'est cool. Et on revient ici à l'entrée. Avec ce coup-ci. Hop. Donc là, il n'y avait rien de plus. Donc ça, c'est ouvert. Tout là, c'est fermé. Il me reste des endroits que j'ai pas pu ouvrir. Donc, tout là, je peux pas. Là, on n'a pas résolu l'histoire de Laura. Ouh, louche. Ah, et bah là, du coup, oui, il nous gêne beaucoup moins, ceux-là. C'est ceux qui nous empêchaient de passer. Voilà. Vous pouvez me voir? Pas croyable. Vous m'avez vu à travers le manteau d'invisibilité. La magie est forte en vous. Ceci me protège contre les fantômes. C'est dangereux ici. Retrouvez-moi dans l'allée est. Vous avez appris l'emplacement du couloir est. Le niveau, le manteau d'invisibilité était déverrouillé. Avec des nouvelles choses à faire, j'imagine. Sachant qu'ici, on peut directement passer. Voilà, là, donc, on était revenu. Là, j'y suis pas allé. Avec un bras zéro, avec des bombes, avec un méga coffre, ok. Zut. Voilà, tout ça, ça va être ouvert. Ok. Et là, on a trouvé un nouveau bâton. Ouh, ça, je verrai plus tard. Tac. Je gérerai l'équipement plus tard. Par contre, ce qui m'intéresserait... Mince, non, je voulais pas le jeter. Ce qui m'intéresserait... Voilà pourquoi on pouvait ouvrir un raccourci à mon avis, parce qu'il fallait ramener le bras zéro. Et comme je suis un boulet et que je me suis bloqué le chemin, je suis obligé de revenir. Hop. Voilà. Alors, ici. Ah non. Ah oui, mais j'ai pas réussi à ouvrir le... Bah il y a ça aussi, j'ai pas réussi à ouvrir. Parce que je pense que là, faut allumer le dedans, bien évidemment, mais... Bon, il doit me manquer quelque chose. Il doit me manquer quelque chose, c'est pas grave. On va aller voir au bout du niveau. Au pire, je peux toujours revenir après. Hein. Là en tout cas c'est fait, donc on avait cette partie là qu'on n'avait pas fait avec un truc qui m'attaque bien évidemment. Voilà, donc là on avait des livres et ça passait ici. Hop, ici j'ai pas bien fouillé, ça passait ici. Entrepôt, ok, on est dans l'entrepôt. Alors là, oh là là, il va falloir... Là, il va falloir être bon. Là, il va falloir être très bon. Si je veux aller chercher la bombe. Réfléchissons. Je peux pousser. Je peux pousser ça. Là, ah, là. Hop, je prends la bombe, je la pose.
Ça, c'est géré. Tac, tac. Maintenant. Voilà. Ça, c'est ouvert. Ok. Donc, comment gérer ici? Je peux pousser ça. Je peux pousser ça. Je peux aller chercher le morceau. Et je peux ressortir. Voilà, 6 sur 6, 50 sur 50. Par contre, il me manque max objet. Mais il me manquait des trucs au début du niveau. Bien, vous n'avez pas couru. Vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai mis la bombe autodestructive dans l'appareil au cas où vous tenteriez de courir. Lavi et Favi sont déjà au deuxième étage. Je vous y verrai. Gardez les yeux bien ouverts. Ok. C'est marrant parce que je l'ai déjà dans l'équipe. Bah du coup on va sortir. Hein. Je pense qu'il faudra que je revienne, j'ai oublié des trucs. Donc étape terminée. Voilà. Hop, là ça va être du coup juste un passage. Bon ça, on commence à avoir l'habitude. En tout cas, là on le voit avec le perso qui soigne, c'est nettement plus facile. Là je peux bourriner dans le tas. Bon, d'avoir remis un bouclier, ça m'aide bien aussi. Ça me donne un bon boost sur la défense, ce qui est plutôt cool. Vu que je joue comme un bœuf. Voilà, ça c'est fait. Hop hop hop. Aïe. Aïe. Oui, j'y vais beaucoup à l'arrache. Hein. Voilà, ça s'est allumé. Allez, vous allez mourir. Hop. On enchaîne. Oula. Oula, méchant ça comme attaque. Quelque chose me dit, il faut que je me dépêche de les plomber. Voilà. Allez, on avance. Hop hop hop. Et on ressort. Parfait. On n'a pas le temps pour s'enchaîner la prochaine mission principale, mais on peut se faire la petite mission annexe. Je pense que ça devrait pas être trop long. On va se faire ici. Alors, le manteau d'invisibilité. Pas un bruit. Vous allez nous faire attraper. Posséder et utiliser un manteau d'invisibilité est contre les règles de l'école section 27 ligne 3. Je vais devoir confisquer votre manteau. C'est la seule chose que mon père m'a laissé. Pourquoi ne pouviez-vous pas attendre? J'allais vous laisser l'essayer. C'est de votre faute, réglez cette affaire. Ok, faut que j'aille le récupérer. Il conserve les objets confisqués dans une boîte. J'attendrai au sud de la salle du conseil des étudiants. Ok, ok. D'accord. Jusque là, d'accord. Il y en a plein qui bougent pas. Ah, ça y est. Ok, tac, 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 tac. Hop, là, ça passe. Ah oui, bien évidemment. On peut pas les tabasser dans le dos. Ok, tu fais juste au bas, au bas, au bas. Comment j'y vais, là?
sais pas. C'est juste immense en fait. Faut juste venir ici en fait. Manteau d'invisibilité. Seul un diamant brut peut voir à travers ce manteau. Hop. Ok. Vous l'avez ? Super. Peur de rien avec mon manteau. Ah oui, maintenant c'est... Aïe. En mode... on s'en fout. Ok, on a trouvé des objets. Peu foncé. Ah oui, il faut forcément le manteau. Sachant qu'il nous attend à droite, à gauche, en bas. Et voilà, je pensais bien qu'il restait un coffre. Voilà, des nouveaux objets. Oh, poussez-vous. Il me reste un coffre à ouvrir, mais j'imagine que ça sera avec la suite. Donc il faut que je lui rende sa cape d'abord. Comment c'était amusant, hein ? Je vais la reprendre maintenant. Faites-moi savoir, vous voulez le réessayer. Je suis habituellement par ici, donc pas trop dur à trouver. A plus tard. Attrapez-moi si vous pouvez ! Qui est là ? D'accord. Et du coup, le dernier coffre. Hop. Avec le dernier objet. Et un petit passage secret, là. Qui sert à quoi ? Un passage secret de l'infini. D'accord, j'aurais carrément pu zapper presque tout. Pourquoi pas, même si je vois pas trop l'intérêt du coup de ce passage secret. Ah, il est peut-être à utiliser, peut-être qu'il y avait moyen de faire la quête autrement si je l'avais pas fait repérer au début. Ouais, bon, on a fini la quête quoi qu'il arrive. Hop. Voilà, ça c'est fait. Terminé. Et du coup, il nous restera bien à enchaîner sur la suite. Mais d'abord, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.